Rapport 134, 20 février 1898. Lors de la vérification d'une sonde, je suis tombé sur une forme de plancton qui s'est installée selon un motif particulier. Il semblerait qu'il soit voulu. Il faut que je trouve Donzama pour vérifier cette hypothèse. Rapport 135, 25 février 1898. Après vérification sur site, le plancton est bel et bien agencé selon un motif déterminé. Dans son habitat naturel, là où il y avait des espaces vides sur la sonde, il s'avère qu'il y a des algues. Je ne sais pas encore qui détermine la position de quoi, il faudra que je pousse des tests un peu plus loin. Rapport 136, 5 mars 1898, c'est incroyable. Le plancton cultive les algues, cela veut dire que les motifs n'étaient pas du hasard. La seule explication pour moi est que le plancton a sa propre forme d'intelligence. Il va falloir que je fasse une demande d'ACE très rapidement, et j'ai baptisé le plancton Kaloniska. Rapport 137, 18 mars 1898. Le Kaloniska semble avoir un système de communication très complexe. Il utilise des phéromones sous forme de chaîne afin de créer un langage et de communiquer d'un bout à l'autre de la colonie. J'ai jamais vu de plancton agir de cette manière. Je sais que les gens seront très sceptiques, mais j'ai toutes les preuves nécessaires. Rapport 158, 2 juin 1902. J'ai enfin publié mes recherches sur le Kaloniska et j'espère que l'acte de chance équitable va bientôt être adopté. Avec les preuves que j'ai amenées sur le comportement social du Kaloniska, je pense que les gens comprendront. Rapport 159, 6 juin 1902. Le ACE a été accepté et le Kaloniska est protégé. Et les habitants me détestent. Ils ne comprennent pas l'importance de mes travaux. Des planètes où habiter, il y en a d'autres. Rapport 201, 6 juin 1903. Aaron Juarez est un imbécile.